Sur 18 candidats venus d'horizons différents, c'est le journaliste et écrivain guinéen Abdourahmane Sénateur Diallo qui a remporté le prix de la première édition du prix du livre guinéen, initié par la Fondation Orange. La compétition s'est faite en grande partie sur la plateforme digitale YouScribe, où 2500 internautes ont eu à départager les candidats à travers les votes. Julien Kamami est le responsable de l'éducation et de la culture à la Fondation Orange. Il explique les motifs de la création de ce prix en Guinée. Le prix du livre guinéen est un concours créé par la Fondation Orange Guinée en partenariat avec YouScribe pour donner plus de visibilité aux auteurs, mais aussi aux maisons d'édition guinéenne. Et surtout, ce concours est une déclinaison du prix Orange du livre en Afrique que nous avons voulu un peu pour impulser, pour donner une certaine dynamique dans le paysage du livre en République de Guinée. La suite de l'activité. Alors, comme vous avez dû le voir tout à l'heure, nous avons consacré les trois lauréats. Il s'agissait notamment des livres Nation Enchantée, le livre qui a raflé la première place, mais aussi du livre Les Lumières de Lampedusa pour la troisième place et Elle s'exprime pour la deuxième place de l'auteur Abdoul Baldé. La suite est très simple. Nous allons d'abord avoir une petite séance avec les auteurs en local, essayer de voir comment est-ce que l'on pourrait déjà corriger l'état de cette première édition et placer de très bonnes bases pour la deuxième édition qui reviendra très très bientôt en 2023. C'est le livre « Nation enchantée » d'Abdourahmane Sénateur Diallo paru le 25 avril 2021 qui est primé pour la qualité de la plume de l'auteur. Pour ce prix, il va recevoir un montant de 10 millions de francs guinéens. Le lauréat est tout joyeux. La littérature, elle est quelquefois très très intimiste, donc c'est toujours quelque chose de gagner. Bon, si c'est, je peux appeler ça comme ça, c'est toujours donc bien de savoir que ce qu'on produit par nos inspirations, parce que l'on s'inspire aussi de la société, c'est vraiment encourageant, beau, réconfortant et surtout booster de savoir que ce qu'on a écrit a impacté les gens au point d'être logé dans leur cœur, qu'ils fassent de nous la sommité momentanée et circonstancielle, en tout cas, des lettres guinéennes pour ce qui est de 2022. Le livre « Nation enchantée » de l'auteur Abdourahmane Sénateur Diallo, récompensé par la Fondation Orange Guinée, met en scène un pays imaginaire qu'on appelle la République du Yamanais, dont le peuple était divisé au départ, mais l'acteur principal du roman réussira par son engagement à réconcilier les différents camps pour le bonheur du Yamanais.